confine, y a même place. Certains prennent des chemins dégueulasses. Ça spine dans le beurre, ça fait des traces. Une vie comme ça, ça laisse des taches. Des rides en face pour témoigner d'un passage plus ou moins troublé, avec des histoires complètement folles. On en jurait des paraboles, comme un vieux chêne sur une colline qui refuserait seulement de tomber. Le vent peut souffler comme il veut, il y en a sûrement vu d'autres passer. À ce qui paraît, le sens de la vie, c'est aussi un peu de lâcher prise. Je te jure, je suis pas mal mal parti. Je me réveille en calice la nuit à cause d'une société de marde. Société de marde. Société complètement malade. Dans cette société de marde. Des gens qui creusent leur propre tombe pour de l'argent, rendu au cou et asphyxié, le monde suffoque évidemment. Brûle la chandelle des deux bouts et s'immole de leur vivant. À quoi bon vivre si c'est pour être pauvre? Et pour l'amour on aura le temps. On fera l'amour, ces réseaux, l'Instagram devine l'égo. À croire qu'ils vivent leur paradis, à voir les gens qui les envient dans cette société de marde. Société marde. Société complètement malade. Dans cette société de marde. Chanceux comme de raison finissent parfois en prison, ressortent quelques années plus tard, plus de mauvais coups dans le baluchon. Comment reprendre une vie normale, pêcher à la ligne sans hameçon? Alors ils pêchent à la dynamite, quitte à faire sauter le plafond. Pourquoi passer par quatre chemins pour aboutir à la même fin? Pour un voyage plus confortable, pour son physique et son mental, avoir un cheval et un foyer, chez de pain, c'est pas trop demandé. Malheureusement, c'est pas d'un calcul. Des gens derrière qui nous enculent dans cette société de marde. Société de marde. Société complètement malade. Dans cette société.